Et bonjour tout le monde, c'est Oxymose. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Et on est sur notre partie 3 de... Je sais même pas comment il s'appelle le jeu. Il s'appelle... Je sais même plus frère, y a rien de marqué. Merci William Reynish pour les 6 builds, c'est incroyable. Et du coup, eh bien les amis, on est parti. Le but de ce jeu, c'est d'acheter des maisons, de les rénover et de les revendre un petit peu plus cher. Moi j'habite dans ce taudis, mais c'est pas très grave. On s'en fiche un peu. Est-ce que vous pensez que je peux revendre mon bureau? Je sais pas, il faudra l'améliorer un petit peu avant. En tout cas la dernière fois on avait amélioré, on avait acheté, amélioré et revendu cette maison là à 29 000 €. On l'avait revendu 34 000 et là du coup eh bien on a 34 630 €. Et moi je suis chaud pour acheter cette maison abandonnée. Voilà, cette maison brûlée elle est trop petite. Cette maison abandonnée j'ai l'impression qu'elle a l'air plus grande. Regardez, il y a 36 m², il y a 4 pièces, maison des années 50 avec répartition des pièces originales, à rénover entièrement, un grand terrain. Du coup, vous voyez, il y a quand même... bon, l'extérieur est pas... Oh, l'intérieur! Oh, yeah, yeah. Oh, yeah. Oh, l'intérieur, il est sale quand même. L'intérieur, il est sale. Et maison brûlée. À vendre pour rénovation, incendie a eu lieu dans cette maison, mais elle n'a pas trop souffert. L'incendie, j'estime qu'en bon état, la maison est propre. Deux chambres, une cuisine, une salle de bain. D'accord. Donc là, il y a 4 pièces aussi. Elle est un peu moins chère. Est-ce qu'il y a moyen... Il y a moins de travaux à faire, vous pensez? Oh! Oh là là, t'inquiète, il y a juste une petite allumette qui a cramé pendant 25 secondes, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Non, 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 je vais prendre celle-là, j'espère en tirer mieux, de toute façon, il n'y a même pas 1 000 € de différence. J'espère en tirer un plus gros profit, elles font exactement la même surface. Après, il y a 4 pièces, celle-là, elle est un peu plus chère. Donc peut-être que je pourrais mieux la revendre, je sais pas, je la trouve stylée, elle m'inspire confiance celle-là. Donc let's go, let's fucking go. Je veux me rendre à la maison évidemment, c'est incroyable. Économise Oxy, un conseil, farm les missions. Ah bon bah trop tard, trop tard. Mon bureau c'est ma carte de visite, il faut que je sois élégant. Ah oui, alors là, il a peut-être raison le pélo là. Il a peut-être raison les gars, pourquoi ça lag là comme ça? Cliquez pour enlever la mauvaise herbe. D'accord. J'avais pas fait ça moi. Pourquoi ça lag? Je comprends pas frère, je fais du 20 FPS. Faut le temps que je charge. Il y a plein de mauvaises herbes, je vais enlever tout ça. Peut-être que je vais vendre plus rapidement. Voilà, on enlève toutes les mauvaises herbes. Ça c'est du blé frère, tranquille. Donc la maison elle est pas très sale. De l'extérieur elle a pas l'air très sale. Ok. Ok ok. Je vais enlever tout ça. Les mauvaises herbes là. C'est vrai qu'il faudrait que je soigne ma maison hein. Ok. Donc là c'est parti. On va nettoyer. Tac. On ouvre. Oh. Quelle horreur. Quelle horreur les gars. C'est ignoble. Ah. Si tu es une personne atteinte de la peur des cafards, tu peux changer les cafards en débris de verre dans les options du jeu. D'accord. Dégagez, dégagez. Ah merde, je peux pas les enlever. Bon, il va falloir que j'enlève ça d'abord, je pense. Ah, ouvrir. La porte, elle est cassée. Ok. Là, il n'y a rien à jeter. Ah, ça me dégoûte, frère. Mais ça, je suis pas anti-cafard, je sais pas quoi. Ok. Ah, elle est dégueu, la pièce. Elle est pourrie. Là, il y a tout à refaire, là. Je suis désolé, mais là... Alors déjà, on jette tous les déchets. On jette tous les déchets. Donc là, on est pas mal niveau enlevage de déchets. Les gens commencent à se positionner sur la vente. Je vais commencer à vendre des trucs. Je vends ça... 460... Ah non, non, je vends pas la base de radiateur. Je vends pas les bases de radiateur. Ça, je peux supprimer. Bah, il est pas mal, je le réutiliserai. Je vends... Ça je supprime, ça je vends, ça je vends, ça je vends, ça je vends, ça je vais vendre, ça je vais vendre, ça je vais vendre, voilà, ok les évacuations, nickel, ça je peux le réparer ou pas vous pensez? Je peux pas le réparer ça, je peux pas le réparer, ok. Bah peut-être qu'on pourra vendre ou supprimer. Alors ça, ça je vends direct. Voilà.
Et ça, je vais le bouger dehors. Oh non, j'ai supprimé? Non, je crois que je l'ai vendu, j'ai supprimé, je sais pas. Bon, ceci étant dit, là maintenant on va pouvoir passer au nettoyage. Le nettoyage, les gars, voilà. Ça, c'est pas du nettoyage, ça c'est du. D'accord. Ok. Hop, hop, hop. Il y a des taches de partout, mon ref. Regardez la minimap, il y a des petites taches noires, c'est ça? Ok. Ok, voilà. Là, il y a des taches au bord des fenêtres. On nettoie. On nettoie bien. Ok. Là, il y a des taches, je sais pas si c'est au plafond. Au plafond, il y a des taches? Ah ouais, il y a des taches au plafond. Ça m'a l'air bien. Là, ils me disent qu'il y a des taches. Là, ils me disent qu'il y a une tache, je sais pas où. Peut-être dehors. Ça m'étonnerait. Je vais aller voir dehors. Je vais aller voir dehors, les gars. Ah oui, dehors, il y a une tache. Ok. Et dehors, il y a pas mal de taches, ouais. J'ai vu qu'on pouvait tondre aussi. Donc voilà, là, la pièce est plutôt propre. Il faudra juste remettre un coup de peinture. Le parquet, il est bien, hein. Le parquet, il est bien. Ok, donc là, il y a de quoi nettoyer mon ref. Le rebord des fenêtres. Voilà. Les toiles d'araignée. Les taches au plafond. Toutes les taches au plafond, les toiles d'araignée. Ah, mais elle est ignoble, cette maison, frère. Il s'est passé quoi dans cette maison, sérieux? Il s'est passé quoi? Ah, sortir l'aspirateur. Ça j'aime. Allez. Allez. Le dernier cafard là, voilà. Là, c'est du propre là. C'est ça qu'on veut chez nous. C'est ça, c'est du propre. Ouah. Ok, au plafond, on nettoie un peu. Sur les murs. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Nanani, nanana, venir. Ok. Ah là, c'est ignoble, je vais nettoyer un peu. Le carrelage, il reste bon. Après, peut-être que là, genre, je peux. Là, si je la vends direct comme ça, je pense que je perds de l'argent. Donc, faut essayer de faire le maximum quand même. Ah, il y a des gens. Alors regardez, regardez, ils sont tous en mode flèche. Quand je nettoie la salle. Je pense qu'il faut miser beaucoup sur la salle de bain. Je pense qu'il faut miser beaucoup sur la salle de bain. Là, c'est en train de monter là. C'est en train de monter. Je nettoie tout bien. Voilà, là c'est bien, bien propre. Ok, ici encore des taches. Des taches sur la porte. Des taches en haut des fenêtres. Non, ça doit être dehors. Et là, ce qui paraît, il y a des taches. Ah oui, sur le l'évier. Hop, pas s'enlever les taches là. Ok. Ok. Nouveau point. Alors, la plupart des salissures sur la mini-carte. Quelques salissures, la plupart. Nettoyer un bon longue portée, bon balai, balai ultra hyper 2018. Okay. Je vais prendre ça. La plupart des tâches, et là il y a une tâche. On le voit sur la minimap. Donc là aussi, dans la chambre, ça doit être dehors. Hein. Dehors, il doit y avoir pas mal de merde. Dehors, là déjà. Là, ça va encore. Là, on nettoie. Ok, ça disparaît. Ok, nickel. En haut, ça va, les murs, ils sont propres. C'est juste là, au niveau du sol, presque. C'est un peu ignoble.
Là aussi quand même. La porte, elle a besoin d'être nettoyée ou pas? Ah non, là-haut. Là-haut, comment on fait? Ah, c'est bon. À part là, je sais pas. J'ai dû louper un truc ici. Ou peut-être par terre. Je sais pas, j'ai loupé une tâche, on dirait. Là, il y a une toile d'araignée. J'ai encore loupé des toiles. Ils me disent que j'ai loupé des toiles d'araignée. Ah oui, là. Frère, j'ai... Ils me disent que j'ai loupé une toile ici. Pas se foutre de ma gueule, hein. Je nettoie bien. Ils me disent que j'ai loupé une toile ici, je comprends pas. Bon, en tout cas, on doit continuer de nettoyer. On continue le nettoyage, moi je te le dis. Il y a, dans le coin là, il y a de la pourriture. Attends. Viens ici que je t'aide là. Là, en haut. En haut. C'est encore un peu sale. Eh frère! Il me dit c'est encore un peu sale le pélo. C'est encore un peu sale dans ta schneck, frère. Là, il doit y avoir une toile d'araignée. Ah oui, je peux monter là. Là, il y a une tache. Voilà. Faut que je sois à l'affût sur les commentaires là. Bon, ça va, je nettoie et ils sont contents, donc tant mieux. Je nettoie, ils sont contents. C'est le principal. Voilà, au rebord des fenêtres. Ah oui, à l'intérieur de cette salle, y a des... Ok, là, c'est dégueu aussi, hein. Là, c'est dégueu. Ok. Là, c'est pas mal. Là, on est pas mal aussi. Si je fais le tour, j'ai soi-disant oublié une tâche. Ah non, c'est le rebord ici. Ok, c'était le rebord là. Et dans la maison. Ok, on regarde bien les rebords des fenêtres. Ah oui, j'ai oublié des trucs sur les rebords des fenêtres. Donc là, on regarde bien. On nettoie bien ici. Là, là, j'ai oublié un truc. Là, j'ai dû oublier un truc. Et encore les tâches, les tâches, les tâches. Il y en a. Il y a ici, il y a une toile d'araignée. Je sais pas où, frère. Mais il y en a une. Elle vient d'être retirée, super. Là, il y a une tâche. Ça me rend dingue les tâches parce que je sais pas où elles sont. Ah là. Et là, il y a soi-disant une tache. Ah oui, c'est les taches au mur. En fait, les taches au mur, on les voit pas. C'est infâme. Ok. Parfaitement propre. Donc voilà, tout est propre. Tout est propre. On continue le nettoyage. Bah là, là, il n'y a pas plus nettoyé, là, quand même. Il n'y a pas plus nettoyé. C'est nickel. Attendez, je vais juste quitter quelques pages. Voilà. Bon là, il n'y a pas plus nettoyé, c'est quand même pas mal. Niveau cuisine, c'est chaud, j'ai pas envie de voir. Moi, je suis chaud pour peindre. Je suis chaud pour peindre là. Donc peindre, feu... Non. Mur. Je vais pas... Je pars encore, je prends en bleu, comme avant. Je prends deux pots de 34. Voilà. J'en achète un, je le mets là. J'en achète un, je le mets là. On prend le pinceau. On trempe, on trempette. Et là. Voilà, ça va être. C'est comme neuf! Comme neuf, dis donc! Incroyable! Incroyable ça! Ok. Ok, tac. Ah là, il faut vraiment que... Je sais pas si on peut mettre plus de peinture sur le rouleau, mais...
C'est vraiment que dalle là. C'est vraiment que dalle. Ok. On va peindre que cette partie. Quoi qu'on a deux pots de peinture donc. Les. A chaque fois quand je peins, ils sont pas trop chauds les mecs. Ils veulent une maison dégueulasse ou ça se passe comment? Bande de chiens va. Sinon je vous laisse une maison dégueu hein. Allez hop. Tac. Ok. Allez, un peu de peinture. C'est cool, ça détend ce jeu. Regardez. Oh ouais. Ça claque. Ouais, ce jeu, il détend bien. Tu vois, tu fais pas grand chose, t'es là. Par contre, la peinture se vide très vite. La peinture se vide assez vite, ouais. Tac, je vais finir les fenêtres quand même. Nouvelle compétence de peinture disponible. Appuyez sur la touche ci-dessous pour améliorer la compétence de peinture. Réduit la consommation de peinture de 20%. Peindre 25 fois plus vite. Peindre en 3 murs en même temps. Je sais pas ce que j'améliore là. Réduit la consommation de peinture de 20%. C'est un cinquième, c'est pas grand chose. Peindre 25 fois plus vite, ça devient bien. Et peindre 3 murs en même temps, ça sert à rien si tous les 2-3 murs, t'es obligé de. Allez. Réduit la consommation de peinture de 20%. Je vais rester plus longtemps là, mais bon. Tac. Allez. En vitesse, ça va déjà assez vite, je trouve. Hein. Ah, ça va, c'est pas mal. Hein. On consomme moins de peinture. On va peindre tout un bâtiment, là. Ok, nickel. Nickel. Allez, on n'a plus grand-chose dans cette pièce à peindre. En fait, c'est ça. Tu fous un coup de peinture comme ça. Voilà. Tu te fais pas chier. Et comme tu. Mais oui, mais c'est ça qu'il faut faire. Et tu te fais pas chier, frère. Voilà. Voilà, c'est carré là. Regardez. Déjà, tu prends ta main. Tu mets le pot de peinture là. Là, hop, tu reprends le pinceau. Et là, tu fais ça, frère. Qu'est-ce que tu te fais chier? C'est beaucoup mieux. Hop là. Voilà. Et tu peins directement comme ça. Eh frère, pourquoi je me fais chier moi? Hop. Je suis un gros cancer par contre là. Voilà. Allez. En gros, pendant la moitié du temps, et bah t'as l'impression que tu peins pas, mais en fait au fur et à mesure tout va se mettre à se peindre en fait. Crois-moi. Par contre je suis en train de vider de la peinture là. Et tu vois ça arrive. Et comme je gâche pas de peinture, pas grave. Ah, y a plus de trucs dans le pot. Ok, je vais prendre celui-là. Celui-là je vais le jeter. Et c'est parti. C'est parti pour la peinture oxymose. Tu vois, c'est trop bien. Qu'est-ce que je disais? Tu peins toute la chambre en même temps là. Tu peins, t'as l'impression de peindre toute la chambre en même temps. Ah ouais, bah c'est bon, j'ai trouvé la technique les gars. Je vais faire ça maintenant tout le temps. C'est bon. Hop. Tu vois frère, tu te fais pas chier, tu fais ça.
Hop. C'est beaucoup mieux. Tu peins les trois quarts des trucs, tu les peins en 2-2. Ok, en plus c'est mieux, c'est moins, c'est plus satisfaisant, on va dire. Ok, donc la chambre, ça va être finito. Ok. En plus, on a bientôt plus de peinture. Tac, tac. Ok, et là, le dernier petit coup de pinceau, de rouleau, pardon. Et on est bon. Ah non, il reste encore là, là. Voilà, nickel. Nickel chrome, ça, toute la maison en bleu, c'est incroyable, ça. Il nous reste un peu de peinture. Je pense que limite qu'on peut. On peut faire. À chaque fois, je fais toute la maison parce que. Ah oui, il y a la salle de bain aussi. Ah, ça me dégoûte, frère. Ah non. L'objet est retourné à sa position précédente. Ok. Ok, bon, on va aller le chercher. Tac, tac. Ah, ça me dégoûte. Bon, on est obligé de vendre ça parce que c'est ignoble. Ça, c'est ignoble. Là, le four, il est pas mal. Ok. Ok. Allez, le petit coup de peinture. Hop là. Ouais, tu vois, tu te fais pas chier. Tu fais un petit tour comme ça. Hop, un petit tour sur toi-même. On peut repeindre sur le carrelage. On peut repeindre sur le carrelage. Je vais peut-être manquer un peu de peinture par contre. J'espère pas. Ok. La hotte et tout, elle est bien. Ok. Bon, il faut aimer le bleu, hein. Ok. Et let's go. Ok. Tac. Je peux peindre le sol. Regardez, regardez comme ça peint. C'est ça que j'ai eu kiff. C'est bon, je kiffe ce jeu. Il est incroyable. Ok. N'hésitez pas à follow les potes, c'est pas encore fait. N'oubliez pas de follow, c'est ultra important. Voilà, je vais peindre ici. En fait, c'est bon, c'est faisable là, avec la. Maintenant, tu peux peindre le mur. C'est grave faisable là maintenant la peinture. On a encore 3000 euros, il faut acheter des équipements donc c'est important. Là c'est bon, j'ai peint les trucs de porte. Il y a ça, ça. Là ça va être bon aussi. Donc niveau peinture, on est bon. Il nous reste presque plus rien donc maintenir et passer à peindre. Ah oui. Donc là, on est bon. Tiens, je vais vendre la petite cuillère qui est là pour 43 centimes. Voilà. Alors maintenant, on va installer les radiateurs. Il y a trois radiateurs à installer. Et bah, je vais le faire maintenant. Alors, radiateur, radiateur, radiateur. Radiateur. Installation, chauffage. Grand radiateur. Je vais mettre que des radiateurs simples. Acheter maintenant. Hop. Je te le mets là. Je peux pas le mettre là. Je peux le mettre ici. Voilà. Je vais en acheter un autre. Hop là. Hop là. Je le mets ici. Et là, j'en achète un autre. Et je le mets ici. Je crois qu'il n'y en a pas à mettre là. Non, non, il n'y en a pas forcément à mettre là. Ok, bon, c'est pas très grave. On l'installe. Voilà. Le bruit du rouleau, c'est satisfaisant de fou. Ah, vous trouvez? Vous trouvez? Ok, tac, tac. Oh là là! Nouveau point d'amélioration. On va voir ce que ça donne, les points d'amélioration. Installation 20% plus rapide. Tenir jusqu'à 3 carreaux de panneaux à la fois. Poser 25 fois plus vite. J'ai deux points d'homme à tout faire. Donc je mets installation et installation. Et là, négociation, les exigences de mission 2%, possibilité de négocier le prix, salaire d'émission plus 10%. Augmentation de 5% de négociation. Ok, je vais mettre ça. Ah oui, en fait, on a des points de capacité dans plein de domaines, en fait. C'est ça le truc. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de lagouiller. Merci Badinus pour le follow. Merci beaucoup. On va installer celui-là. Voilà. Hop. Oh, c'est fraîchement peint. Ça fait plaisir. Voilà. Et je crois qu'il y a, bah, il y a celui-là à installer.
Voilà. Tac. 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 Voilà, parfait ça. La salle de bain, bah on va la laisser comme ça, hein. Je sais qu'ils aiment bien tout miser sur la salle de bain, mais. Mais vas-y, laisse tomber. Donc là, il faut mettre un évier. Un évier, un évier. Équipement de salle de bain. Je mets comme d'hab 116. Ah oui, c'est un truc assez cher. Y a pas un truc encore plus cher. C'est le plus cher en plus que j'installe. Allez, l'évier, je vais mettre ça. Avec un robinet en or, s'il vous plaît. Hop, on l'installe. Ok. Voilà. Le siphon. Ok, carré. On met l'eau chaude, l'eau froide, le meuble. Et c'est installé! Ça, c'est installé! Maintenant, la douche! Douche, Reta. Ça va être comme ça. Alors, est-ce que je peux au moins ou pas? Je peux pas? Ça se trouve, je peux pas, hein. Tu peux. Ah non, c'est ici la douche. C'est où la douche? Ah, j'ai pas le choix de la mettre là en fait. Attendez, parce que c'est pas bon là. Faut que je prenne une autre douche. Faut que je prenne celle-là. Celle-là. Hein? Bon, je vais l'installer. Je comprends pas trop. Alors hop, on installe. Oh, c'est facile d'installer. Eh, c'est pas comme dans la vraie vie, hein. Je peux vous le garantir, hein. Ouvrir. Waouh! Oh, la douche de fou furieux. Incroyable ça. Vous avez vu? Là, il n'y a pas de lumière. Alors niveau cuisine. Niveau cuisine. Ah non, il faut mettre des toilettes, c'est vrai. Il faut mettre des toilettes. Alors niveau toilette, on prend des trucs assez chers comme ça là. En noir. La cuvette en noir, mon reuf. Hop là, installé. Ok. Ah, il y avait un rat dedans! Il y a un rat, il y avait un rat au fond! On a vu, on a vu. Bon, ils ont pas l'air d'être très enthousiasmés par ce que je viens de faire. Niveau cuisine, niveau cuisine. Cuisine, équipement électrique, ça peut être un PC. Oh, le vieux PC. Équipement de salle de bain. Tac, tac, tac. Attends, frère, équipement de salle de bain, cuisine, et c'est où? C'est dans mobilier? Cuisine? On peut. Il y a une cuisine déjà préfaite. Où il y a des meubles tout simples. Je pense que je vais faire une cuisine déjà préfaite. 725. 725, c'est pas mal. En fait, là, le souci, c'est que c'est trop grand. Le souci, c'est que c'est trop grand. Ok. Je vais peut-être prendre un truc plus petit. Il y a plus petit, c'est ici. Et il y a le four à côté en plus. Donc je vais prendre ça. Acheter maintenant. Je vais le poser là pour l'instant. Ça, je vais le déplacer. Ça, je vais le déplacer là. Et est-ce que je peux déplacer. Est-ce que j'ai la place pour déplacer le four là? Ah, carré.
Bah voilà, il y a la hotte qui est un peu décalée, mais je peux la décaler. Voilà, nickel. Je vais mettre une lampe. La lampe, c'est important. Autre cuisine hein, pour enfants, salle à manger, salle de bain, salon, décoration, mobilier, éclairage. On met un éclairage moderne, un truc un petit peu. Qu'est-ce qui fait cuisine là? Je vais prendre ça, un plafonnier. Plafonnier tout simple. Hop là. Voilà. Ah merde, je suis encore bloqué. Je suis encore bloqué. Voilà, je mets le plafonnier tout simple. Je mets l'interrupteur. Interrupteur, interrupteur, acheter maintenant. Ah mais non, j'ai déjà l'interrupteur là. Voilà. Pas mal, pas mal. Là, ça veut pas s'allumer. J'allume. Oh! Il y a une tache ici. Voilà. Peut-être une tâche de nettoyage, je sais pas. Et là, on allume, donc on peut passer dans les différentes pièces. Bizarre. Bizarre, bizarre. Donc voilà la cuisine, voilà la salle de bain. La salle de bain, miroir. Miroir, miroir. Moi, je dis miroir dans la salle de bain. Miroir aztèque. Miroir à 18 balles, frère, ça fera l'affaire, hein. Ça fera l'affaire à 18 balles. Voilà. Bon, ils ont pas l'air d'être très enthousiasmés par ce que je fais. Alors, est-ce que je peux mettre ici? Est-ce que il y a moyen que je mette un canapé, un truc, un petit canapé ici avec un meuble télé ou comment je pourrais organiser ça ici là? Ah, j'ai l'impression que c'est plus fluide là. Je sais pas pourquoi. Là, c'est plus fluide. Ah oui, les portes, elles sont cassées. Les portes. Je vais enlever les portes cassées parce que. Peut-être qu'ils aimeront des portes neuves. Je vais enlever les portes comme ça. Je vais enlever là. Ça se trouve, on peut pas racheter de porte. Ah tiens, je vais regarder un truc, un autre truc. Ah non, je peux pas repeindre. Ok. Alors, porte. Porte. Porte d'entrée. 300. Bon, je vais en acheter une neuve du coup. C'est comme ça qu'on met. Voilà, ouvrir. Alors, il y a des gens qui se... Ah, il y a des gens qui remontent les vieux. Les vieux, ils aiment bien la sécurité. Ils sont remontés. Les vieux, là, dans les trucs. Ils sont remontés. Ok. Alors, du coup, on va remettre d'autres portes. Pas que ça. Porte. Porte, afficher tous les résultats. On va mettre des portes. Oh, il y avait pas mal. Porte simple, Morois, 1 x 2, 75. On va mettre des portes. Il n'y a pas des portes un peu plus classiques là, parce que. Porte, garde-robe. Porte, blanc, intérieur. On va mettre ça, acheter maintenant. 200 euros la porte. 200 euros la porte, ils font mal, hein. Faut que je fasse attention à mes équipements, j'ai plus grand chose. Ok. Alors bon, ça change pas grand chose là. En plus, il fait nuit. Il fait nuit, d'accord. Alors peut-être que niveau salon, ils vont peut-être être un peu plus enthousiasmés, mais il est mal foutu le salon là. Je vois pas comment je pourrais faire pour mettre un canapé, une télé. C'est bizarre. On va regarder ça. Salon, on va miser sur le salon. Il y a la chambre aussi à faire. Il y a équipement électronique et mobilier, salon, 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 pouf, angle, table, peut-être un bureau pour traverser, pour travailler, pardon, dans la chambre le bureau, je pense. Dans la chambre, hein, des canapés à 70 euros, ils sont pas chers leurs canapés, dis donc. En noir, c'est pas mal. Alors du coup on fait comment? On met comme ça. On met comme ça le canapé. Là il y a la porte d'entrée donc on va pas mettre ça. Canapé. J'aurais bien vu un bureau ici aussi mais bon.
On va mettre un petit canapé ici. Ok, personne, tout le monde s'en fout de mon canapé, super. Y a pas un meuble télé un peu? Parce que je verrais bien un meuble télé. Il y a plein de canapés. Meuble TV. Meuble TV d'angle. Meuble TV, je regarde un petit peu. Purée, on dirait mon meuble télé. Tac, voilà. Et là, on regardera la télé de loin. Alors, maintenant, télé. On va mettre une télé. Je pense que là, il y a des gens qui vont... Je pense que là, parmi les acheteurs, il va y avoir des gens, là. Il va y avoir des gens. Équipement électronique. Allez. Une petite télé pour Bibi, là. Elle est où, la télé? Téléviseur suspendu. Téléviseur. 584 €. Je mise tout là-dessus, frère. Oh, j'ai plus que 1000 balles. Oh, pour mettre un lit, un bureau et tout. Faut faire attention, hein. Alors, qui... Ah, ça remonte. Il y a des gens qui kiffent. C'est vrai que c'est sympa, hein. C'est sympa, là, quand même. Ok, on va mettre l'argent pour la chambre. En fait, on va tout dépenser toute ma thune. Je vais dépenser toute ma thune. Donc, lit. Je vais mettre un bête de lit, les gars. Je vous le dis. Je vais mettre un bête de lit. Mobilier, chambre à coucher. Lit. Je vais mettre un lit double Dora. Attends, c'est quoi le plus cher, là? Il y a du 400 balles, ici. 491, tout de fait. Et bah, je vais prendre ça, je pense. 491. 935. Ah non, acheter maintenant. Ah, j'ai plus que 591 balles. Oh là. Je peux pas vendre des trucs en 2 spi. Oh là, là, il y a des gens, ils vont être contents, là. Alors? Oh, oh! Une chambre, c'est ce qu'il me faut, mec. Une grande chambre, super. Une chambre, parfait. Par contre, pour le bureau, il va être petit, il va être pas très cher. Hein. Il va être petit et pas très cher. Allez, bureau. Bureau, afficher tous les résultats. 101, c'est même trop cher. Hein. On va mettre 36. Ouais. Oh là, non. C'est quoi cette merde? Bureau. Bureau, 200 balles. 72. 72, ok. Il n'y a pas moins cher encore. 69. 58. Et bah, je vais prendre ça à 58. Voilà, ça remonte. Un sommeil et des études, c'est très important. Purée, mais lui, il va encore me racheter une baraque. Ah non, c'est lui, il voulait m'acheter au début. Là, il me reste 45 €. Il y a peut-être moyen que j'ai une chaise. Chaise. J'espère que j'ai rien. J'espère que j'ai rien oublié. Chaise de bureau. Chaise pivotante. Ah ouais, là c'est jusqu'au dernier sou, donc 30 000 balles, 34 000 balles. 83 balles. Il y avait des chaises pas mal ici. Je vais prendre celle à 28 là, la chaise de bureau, je vais la mettre en vert. Acheter maintenant. Moi, c'est une chaise pour les gosses. Pas possible, ça. Chaise Mimi. Chaise. Je vais prendre celle-là. Voilà. Et après, il me reste 14 balles, les gars. J'ai tout mis dans cette maison. J'ai tout mis dans cette maison. On peut pas enlever encore les dernières mauvaises herbes, là, qui pourraient être moches. Ok, non, ah si, là, 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 là. Ah, j'ai dû l'enlever en 2 spi sans voir. C'est des mauvaises herbes, ça? Non, c'est bon. Ça va, c'est pas très sale. Le jardin, je vais miser aussi sur le jardin. Ça coûte pas grand chose de tout enlever. On est dans la nuit, donc on peut mettre la lampe. Voilà. Tac. Et du coup, les potes, là, ça va être le... Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer notre maison. On va améliorer notre maison. Parce qu'ils disent, ouais, un mec qui vend les maisons, bah, il doit avoir une belle maison. Logique, tu vois. Et notre maison, c'est un taudis, frère. Donc, on va l'améliorer, nous. On va la repeindre et tout. Avec l'argent, un petit peu, de ce qu'on a gagné, là. Là, on devrait être bon, là. Ah. Ok, bon, on devrait être bon là à ce niveau-là. Regardez, frère. Regarde, frère, tu rentres.
Y a rien, hein, mais il y a une télé, il y a un petit canapé, il y a une chambre avec un bureau, ça fonctionne. Voilà, tu vois, c'est. Tu vois, c'est incroyable. Et t'as la salle de bain avec des beaux équipements, une douche à l'italienne. T'as tout ce qu'il faut. Je crois que j'ai oublié un truc dans les toilettes, non? Machine à laver, peut-être. Bon. Du coup, les amis, eh bien, on va vendre ça. On a dépensé 31 000 balles dedans, mais on a fait quand même beaucoup de travaux. Vendre aux enchères. Heureusement qu'il y a au moins un canapé. Oh, ça part à 40 000! 40 800! 41 000! Merci Terminator pour le sub, le follow. 40, ah, ils se débattent, ils se débattent. J'ai besoin d'un bureau séparé du reste. 40 000. Gagnant. Bon voilà, c'est lui le gagnant. J'ai besoin d'un bureau séparé. Il n'y a pas de place pour ranger mes livres et mes documents. Les invités devraient être impressionnés quand ils ouvrent la porte. Pourquoi le couloir est si pauvre? Il n'y a pas de place pour ranger mes livres et mes documents. Ok. Alors, on va refuser son offre et on va essayer d'avoir plus que 40, 42 000. Ok? Il veut un bureau séparé du reste? Refuser l'offre. Et bah, on va lui faire un fucking bureau séparé du reste. Voilà. Hop là. Alors, on va lui faire un bureau séparé du reste. Il est pas content, frère. À l'entrée, ça va être. T'inquiète pas. Hop. Ça serait bien d'avoir un bureau à côté du lit. T'inquiète, c'est pas à toi que je la vends la baraque. C'est pas à toi. Voilà, donc ça c'est bon. Un endroit pour ranger ses livres. On va lui acheter une étagère à 2 balles. Étagère. Étagère suspendue. Voilà, 5 euros, 11 euros. Il y a tout ce que, il y a tous les prix que tu veux, mon reuf. Je vais t'en mettre une bleue assortie. Acheter maintenant. Voilà, je t'en mets une là. Je vais te mettre. Donc il voulait quoi d'autre? Je pense que c'est bon, il est impressionné, il y a le bureau, c'est séparé du reste. Il veut un autre bureau. Il veut un autre bureau dans la chambre ou quoi? J'ai 3,16 €! Oh, j'ai plus rien là, j'ai plus rien. Allez, je vends la maison. J'ai 3,16 €. J'espère que ça a remonté au-dessus de 40 000. 40 000. La famille Martin. Et Chang, 40 000. 40 900. 41 000. Allez, il faut que ça dépasse les 42 000. 41 959. Bon. J'ai besoin d'un. Mais il est séparé du reste, le bureau, cousin! C'est quoi les points négatifs? Il n'y a pas de place pour ranger mes livres et mes documents. Les invités devraient être. J'ai besoin d'un bureau séparé du reste. Chambre parfaite, une salle de bain. Une seule salle de bain parfaite. Bon, bah écoutez, on va quand même. Attends, négocier. Proposer un prix supérieur de 977. On va être raisonnable. Allez, allez, allez. Votre offre est trop basse. Je vais prendre la maison. J'accepte. Let's go! Let's go! 1000 balles de plus! Let's go! Négociation! Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire! C'est comme ça qu'il faut faire! On accepte l'offre. Non, attends, on accepte cette offre-là. Ouais, voilà, nickel. Et accepter l'offre. Let's go! Incroyable les potes, let's go! Voilà, c'est ça qu'on veut ici. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que nous, bah, on a une, on a, je vais m'occuper un petit peu de ma maison parce qu'elle est dégueulasse, elle est dégueulasse les gars. Donc, on a 42 000 balles. Ça, c'est vraiment bien. On a 42 000 balles. J'ai pas trop de, tiens, j'ai pas trop de vieilles herbes pourries. Mais par exemple ma maison là, eh, je pense que il dit si c'est une bonne carte de visite et tout, je pense qu'il faut nettoyer sa baraque parce que sinon après on va me la mettre à l'envers, frère. On va me la mettre à l'envers, donc t'inquiète pas. T'inquiète pas que je vais la nettoyer ma baraque. Hop là. Ok. Les rebords de fenêtres sont bien. Ah, c'est là, c'est dégueulasse. Ok. Ici. Ici. En bas. Ici.
Ici c'est sale mais je vois pas où. C'est sale où frère? Ah c'est bon, ça a disparu. Ok, là ma maison elle est plutôt propre à part le devant. Donc voilà, on améliore un petit peu la maison. Si c'est ma carte de visite, et bah soit. Je vais tout donner. Je vais tout donner. Voilà, tac. Là elle est un peu dégueu. Ah oui, le toit ici, non? Voilà. Là, il y a un truc de dégueu là, Skip. Le sol. Le sol. Là, c'est bien propre. Après, c'est à l'intérieur que ça merde. Donc voilà, là, ma maison, elle est bien propre. On entre. Il y a une toile d'araignée. Il y a de la dégueulasserie. Voilà. Je vais vendre mes outils. Je vois qu'il y a des outils là. Je vais vendre des trucs. Ça je le vends 2 euros. Ça je sais pas si je le vends. Je sais pas si ça me sert ça. €22 le poster, waouh. Voilà. Supprimer, 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 vendre. Ok. vendre, vendre, vendre. On nettoie. Voilà, nickel. On nettoie bien les rebords des fenêtres. On nettoie bien ici. On nettoie bien les plafonds. Et faut que ça brille. Faut que ça brille, moi je te le dis, moi. Là, il y a encore une tache sur le truc là et une tache. Ici, sur le plafond. Il y a encore une tache quelque part, je sais pas où. Le lit, il est bien. Tac, voilà. Au moins, c'est déjà un peu plus propre. Je suis sur la tache, là. Des fois, frère, c'est insupportable parce que c'est pas... Je nettoie, là. Ah, peut-être là. Non. Bah, je sais pas, il reste une tache, là. Il reste une tache quelque part, je vois pas du tout. Hein. Ah, c'est le tapis. C'était le tapis, la tâche. Ok. Moi, j'y vais. Vas-y, bonne soirée, Rizox. Sous ton welcome. Bah, en fait, c'était juste le tapis welcome, en fait. Ok. Nickel. Bon. Du coup, on est bon, là. On est bon, les gars. C'était super. Je referai une petite cuisine quand j'aurai le temps et une salle de bain. Mais là, déjà, c'est nickel. Le gamer de Goku 7. Merci beaucoup pour le follow. Merci beaucoup. Bon, alors, est-ce que, du coup, qu'est-ce qu'on a comme maison, là, avant qu'on se quitte, là? On a une maison à 43 000. Ah, il faut 48 000 pour cette maison. Eh bah, écoutez, on va être obligé de... Quoique, on peut... Eh, les gars, je pense qu'on va faire des missions. Premier bureau. Ça va posséder, c'est mon bureau. Après, est-ce qu'on peut mettre en lock? Aller à la maison. Je sais pas si on pourra mettre en lock, après. Et vendu, j'ai ces deux trucs-là. Voilà. Du coup, une allée de lumière. Ouah, c'est quoi ce truc là? Il y a des maisons assez drôles qu'on pourra acheter. Je pense que je ferai des missions et j'achèterai directement la maison inondée. Celle-là. Parce que... Ah oui, d'accord, on voit que c'est sale sur les murs jusqu'à là. Parce que, vas-y, la flemme... Oh, c'est le bordel. La flemme de l'autre, là, la maison brûlée. Un peu la flemme, quoi. Et Tanerel, merci beaucoup pour le follow. Salut Oximos, salut. Les missions. On ne peut pas faire de la location. Ah, dommage, dommage. Dommage. J'aurais bien voulu. Donc, ok. Bon. On s'en refait une ou quoi, les gars? Attends, mais il est déjà 20h25. Oh. Ah ouais. Bon bah, les gars, je pense qu'on s'en fera pas une. On met en veille, on met en veille.
Hop là, voilà, c'est bon. En tout cas, bah voilà, on a une bonne. Bah, en quoi que, en faisant des missions, on peut. Ouais. Je retaperai ma maison bientôt, là. On va retaper la maison, t'inquiète. Il faudrait l'agrandir, là, faire des dépendances. Faut faire des dépendances. Non, bah voilà, les amis, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. C'était vraiment, vraiment cool. Évidemment, on va continuer le jeu, mais pas aujourd'hui. Les amis, pour ceux qui sont sur YouTube, et bah moi, je fais plein de bisous. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de me suivre sur Twitch. OximosYT, c'est là où je suis en live et tout. J'enchaîne les trucs et du coup, je mets les rediffs sur Oximos Gaming. Merci ClemsPlay pour le follow. Et du coup, les amis, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Oximos pour vous servir. Allez, ciao, ciao.